Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Cheikh Zindani poursuivit encore son raisonnement en disant au savant suisse: quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais nourri à travers le cordon ombilical. Et quand tu es sorti du ventre de ta mère, le cordon ombilical a été coupé. Et ta bouche était déjà prête, ainsi que ton estomac. Et une nouvelle voie pour l'écoulement de la nourriture que celui qui t'a constitué dans le ventre de ta mère a prévu, afin que lorsque tu sortiras de suite du ventre de ta mère, tu t'adapterais à la nouvelle façon de te nourrir. Celui qui t'a préparé ainsi savait que tu allais sortir du ventre de ta mère et que tu aurais utilisé ces nouveaux moyens de nutrition au lieu du cordon ombilical qui t'aurait maintenu dépendant en tout de ta mère s'il n'y avait pas ce nouveau système. Donc celui qui t'a préparé de cette manière dans le ventre de ta maman savait que tu n'aurais plus eu besoin du cordon ombilical et que tu serais sorti dehors, et alors il t'a préparé pour la vie de dehors qui n'était pas adaptable à celle du ventre de ta mère. Alors, celui qui t'a préparé physiquement à ce nouveau monde et avec ses nouveaux moyens de nutrition, savait ou non ce que tu allais devenir et de quoi tu aurais eu besoin? Le savait-il ou non avant que tu sois sorti du ventre de ta mère? Le savant suisse a répondu: non, il ne le savait pas. Alors, Cheikh Zindani a dit: quand j'ai constaté qu'il continuait à nier l'évidence, je me suis dit qu'il faudrait maintenant que je l'attire par l'heure dans ma discussion. C'est-à-dire que je le porte vers une contradiction. Et alors, je lui ai dit: les astronautes portent-ils un habillement comme nous? Le savant suisse répondit: non. Le habillement est différent de notre habillement. Et alors, pourquoi ont-ils un habillement différent du nôtre? Cheikh Zindani l'a interrogé. Il répondit: parce qu'ils se rendent dans une ambiance différente de la nôtre sur Terre. Et ils ont besoin que leur habillement soit conforme à l'ambiance où ils vont aller. La température là-bas est différente de celle d'ici. Et le froid et la pression aussi. Il n'y a ni air ni gravité. Et c'est pour cela que leur habillement doit être adapté à l'ambiance de l'espace hors de notre atmosphère. Alors, Cheikh Zindani lui posa encore une question en disant: sais-tu qui leur a fabriqué cet habillement? Le Suisse a répondu: qui? Il lui demanda alors: si je te disais que leur habillement a été fabriqué par un cordonnier à Sanaa, au Yémen, me croirais-tu? Le Suisse, en souriant, répondit négativement: non, je n'y crois pas. Et pourquoi tu n'y crois pas? Il a répondu: parce que cet habillement doit être fabriqué par des scientifiques qui connaissent bien l'ambiance spatiale dans laquelle vont se rendre les astronautes. Vous êtes sûr de cela? Lui demanda Cheikh Zindani. Ce sont des savants scientifiques? Oui, certainement. Ils sont des savants, des scientifiques. Et ils ont étudié l'ambiance spatiale avant d'envoyer des êtres humains. Car ils ont fait plusieurs envois d'animaux dans l'espace pour effectuer leur expérience et pour connaître exactement quelles sont les conditions de vie dans l'espace, répondit le savant de Suisse. Et alors, Cheikh Zindani lui retorqua: celui qui a fait que dans le ventre de ta mère, tu recevais l'air nécessaire pour ta survie, à travers le cordon ombilical, et t'a préparé avec des poumons qui te serviraient pour respirer une fois sorti du ventre de ta mère, et qui te permettent de respirer l'air externe au ventre de ta mère,
et alla expirer après l'avoir privé d'oxygène. Savait-il que tu allais avoir besoin de tes poumons pour vivre dans une ambiance différente de celle du ventre de ta mère? À ce point, notre savant scientifique se rend. Il lève les mains, car stupéfait par les questions percutantes que lui a posées notre cher, il répondit : oui, vous avez raison. Il savait son nom sans ombre d'un doute. Et alors, il demanda au cher de lui réécrire toutes les questions qu'il lui a posées depuis le début. Oui, mes chers amis, Allah est celui qui sait, et il nous l'a démontré dans son livre, comme nous allons le voir durant toutes les vidéos futures sur ce thème de la science et la foi. Il nous a dit clairement dans son sacré livre, le Coran, contenant sa parole. Il nous a dit ce qui suit. Coran chapitre 58, verset 7. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Et encore, dans le Coran, chapitre 2, verset 29, c'est lui, Allah, qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux. Et il est omniscient. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Encore un autre verset, Coran chapitre 67, verset 14. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Encore un autre verset, Coran chapitre 6, verset 59. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe, qui ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour et il vous informera de ce que vous faisiez. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجلا مسمى ثم إليه مرجعكم. Je m'arrête ici et je vous invite à la troisième partie de cette série que je vous publierai sous peu et qui traiterait les preuves coraniques que c'est Allah le Créateur de toutes choses. Wa akhiru da'wana anna alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
paix et bénédiction à vous tous.